Chers frères et sœurs en Christ, bonsoir. Je vous invite à être ensemble dans cette culte du soir. Commençons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Jésus dit: Je suis la lumière du monde. Celui qui vient à ma suite ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière qui conduit à la vie. Amen. Chers amis dans le Christ, en présence du Dieu Tout-Puissant et d'un cœur docile et pénitent, confessons nos péchés pour que dans sa bonté et sa miséricorde, il nous accorde le pardon. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés, par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il vous affermisse en tout bien, et par la puissance de l'Esprit-Saint, qu'il vous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à mon secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Joie et lumière. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ. Parvenu à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par des voix sanctifiées, Fils de Dieu qui donne vie. Tout l'univers te rend gloire. Amen. Écoutons et méditons les paroles du psaume 74.
Cantique d'Assaph. Pourquoi, ô Dieu, rejettes-tu pour toujours? Pourquoi t'irrites-tu contre le troupeau de ton pâturage? Souviens-toi de ton peuple que tu as acquis autrefois, que tu as racheté comme la tribu de ton héritage. Souviens-toi de la montagne de Sion, où tu faisais ta résidence. Porte tes pas vers ces lieux, constamment dévastés. L'ennemi a tout ravagé dans le sanctuaire. Tes adversaires ont rugi au milieu de ton temple. Ils ont établi pour signe leur signe. On les a vus, pareils à celui qui lève la cognée dans une épaisse forêt. Et bientôt, ils ont brisé toutes les sculptures à coups de hache et de marteau. Ils ont mis le feu à ton sanctuaire. Ils ont abattu, profané la demeure de ton nom. Ils disaient en leur cœur, traitons-les tous avec violence. Ils ont brûlé dans le pays tous les lieux saints. Nous ne voyons plus nos signes. Il n'y a plus de prophète. Et personne parmi nous qui sache jusqu'à quand. Jusqu'à quand, ô Dieu, l'oppresseur outragera-t-il, l'ennemi méprisera-t-il sans cesse ton nom? Pourquoi retires-tu ta main et ta droite? Sors-la de ton sein. Détruis. Dieu est mon roi, dès les temps anciens. Lui qui opère des délivrances au milieu de la terre. Tu as fendu la mer par ta puissance. Tu as brisé les têtes des monstres sur les eaux. Tu as écrasé la tête du crocodile. Tu l'as donné pour nourriture au peuple du désert. Tu as fait jaillir ses sources et des torrents. Tu as mis à sec des fleuves qui ne tarissent point. À toi est le jour, à toi est la nuit. Tu as créé la lumière et le soleil. Tu as fixé toutes les limites de la terre. Tu as établi l'été et l'hiver. Souviens-toi que l'ennemi outrage l'Éternel et qu'un peuple insensé méprise ton nom. Ne livre pas aux bêtes l'âme de ta tourterelle. N'oublie pas à toujours la vie de tes malheureux. Aie égard à l'alliance, quand les lieux sombres du pays sont pleins de repères de brigands. Que l'opprimé ne retourne pas confus. Que le malheureux et le pauvre célèbrent ton nom. Lève-toi, ô Dieu, défends ta cause. Souviens-toi des outrages que te fait chaque jour l'insensé. N'oublie pas les clameurs de tes adversaires. Le tumulte sans cesse croissant de ceux qui s'élèvent contre toi. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant et comme il sera éternellement. Amen. Lecture du livre de Siracide, le chapitre 44, les versets 19 à 23, jusqu'au chapitre 45, les versets 1 à 5. Le grand Abraham, ancêtre d'une multitude de nations, il ne se trouvait personne pour l'égaler en gloire. Il observa la loi du Très-Haut et entra dans une alliance avec lui. Dans sa chair, il établit l'alliance et dans l'épreuve, il fut trouvé fidèle. C'est pourquoi Dieu lui assura par serment que les nations seraient bénies en sa descendance, qu'il le multiplierait comme la poussière de la terre, qu'il exalterait sa descendance comme les étoiles, et qu'il recevrait le pays en héritage de la mer jusqu'à la mer et depuis le fleuve jusqu'aux extrémités de la terre. À Isaac, il donna la même assurance à cause d'Abraham, son père. La bénédiction de tous les hommes et l'alliance, il les fit reposer sur la tête de Jacob. Il le confirma dans ses bénédictions et lui donna en héritage le pays qu'il divisa en lots,
et partagea entre les 12 tribus. Il fit sortir de lui un homme de bien, qui trouva grâce aux yeux de tous. Aimé de Dieu et des hommes, Moïse, dont la mémoire est en bénédiction. Il lui donna une gloire égale à celle des anges, et il le rendit grand par la crainte qu'il inspirait aux ennemis. Par ses paroles, il précipita les prodiges. Il le glorifia devant les rois. Il lui donna des commandements pour son peuple, et il lui montra quelque chose de sa gloire. À cause de sa fidélité et de sa douceur, il le consacra. Il le choisit parmi tous les êtres de chair. Il lui fit entendre sa voix et l'introduisit dans la nuée. Il lui donna face à face les commandements, la loi de la vie et d'intelligence pour enseigner à Jacob l'alliance et ses décrets à Israël. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer et se savoir aimer, croiser ton regard dans le doute, brûler à l'écho de ta voix, rester pour le pas de la route, savoir reconnaître ton pas, trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer et se savoir aimer, brûler quand le feu devient cendre, partir vers celui qui attend, choisir de donner sans reprendre, fêter le retour d'un enfant. Savoir tout ce que tu m'apportes, rester et devenir meilleur, trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer et se savoir aimer, trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer et se savoir aimer, trouver dans ma vie ta présence. Évangile de Matthieu, chapitre 16, les versets 13 à 20.
Gloire au Christ, notre Sauveur. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis ? Moi, le Fils de l'homme. » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres, Élie, les autres, Jérémie, ou l'un des prophètes. » « Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors, il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Évangile du Christ. Louange au Christ, notre Seigneur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, à vous grâce et paix de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais vous partager la parole du Seigneur à partir de Matthieu chapitre 16, les versets 13 à 20.
qui nous relate l'histoire de Pierre, qui a reconnu en Jésus le Christ et le Fils de Dieu. Des trois évangiles synoptiques, c'est dans l'évangile de Saint Matthieu que cela est la mieux relatée. Nous voyons ici Pierre qui a répondu promptement et fermement à Jésus, lui disant sans aucune hésitation que pour lui, Jésus est le Christ et Jésus est le Fils de Dieu. Cette réponse de Pierre n'était pas une affirmation simplement gratuite, mais plutôt une réponse bien réfléchie, venant d'un cœur totalement conquis. Il a vu Jésus à l'œuvre, il a entendu les enseignements de Jésus, et tout ceci l'a convaincu que Jésus est vraiment le Christ et le Fils de Dieu. Quelles leçons donc en tirer? D'abord, certains diraient que c'est tout à fait normal puisque il a vu Jésus et il l'a entendu. Mais de nos jours, c'est très différent. Les gens ne voient pas Jésus, n'entendent pas Jésus, si bien qu'il est très difficile de l'accepter, d'accepter qu'il est le Christ et le Fils de Dieu, si au moins on l'ait vu. Mais souvenez-vous que notre Seigneur Jésus a dit un jour à Thomas, « Parce que tu as vu, tu as cru. Bienheureux ceux qui, sans avoir vu, ont cru. » Vous savez, dans ce monde, il y a des gens que Jésus voudrait tant sauver. Comme Jésus dit dans Jean chapitre 10, verset 16, « J'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos, et celles-là aussi, il faut que je les mène. » Elles écouteront ma voix et il y aura un seul troupeau et un seul berger. Mes chers amis, prions pour ces gens-là, afin que eux aussi ils rencontreront Jésus dans sa parole et que eux aussi, enfin, ils croiront en Jésus, même sans l'avoir vu. Deuxième chose, Pierre a su que Jésus est le Christ, mais d'après le Seigneur, c'est Dieu le Père lui-même qui l'a révélé cela. Cela ne vient donc qu'uniquement de l'intelligence ou d'un quelconque effort de Pierre. Par conséquent, si nous nous croyons en Jésus, qu'il est le Christ et le Fils de Dieu, c'est tout simplement que Dieu le Père nous l'a révélé. Il n'y a pas raison à nous enorgueillir. Nous ne sommes pas meilleur que les autres. Et cela, c'est ce que l'apôtre Paul appelle plutôt, je m'excuse, c'est ce que l'apôtre Paul appelle la grâce de Dieu. Écoutons ce qu'il dit, l'apôtre Paul, dans Éphésiens chapitre 2, le verset 8. C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Vous n'y êtes pour rien, c'est le don de Dieu. C'est le don de Dieu. Mais pourtant, mes chers amis, mais pourtant, et ça c'est la troisième chose dont je voudrais parler, cette façon prompte et claire de Pierre lui a valu une belle récompense venant de Jésus, si on peut appeler ça comme récompense. En effet, Jésus lui a dit dans le verset 17, Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Il continue dans le verset 18, Et moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et la puissance de la mort n'aura pas de force contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu liras sur la terre sera lié aux cieux, et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié aux cieux. Amen. Mes chers amis, cela aussi me rappelle l'histoire d'Abraham, qui a cru en tout ce que le Seigneur lui a dit. Quand le Seigneur lui a demandé d'offrir son fils en sacrifice vivant, eh bien, Abraham n'a pas hésité une seule seconde. Il était sur le point de tuer son fils
son fils allongé sur l'autel, que voilà, Dieu lui a dit d'arrêter et lui a dit, à travers l'ange que le Seigneur envoyait. Écoutons ce qui est dit dans Genèse chapitre 22, le verset 15 et la suite. L'ange du Seigneur appela Abraham du ciel une seconde fois et dit, « Je le jure par moi-même, oracle du Seigneur, parce que tu as fait cela et tu n'as pas épargné ton fils unique, je m'engage à te bénir et à faire proliférer ta descendance, autant que les étoiles du ciel et le sable au bord de la mer. Ta descendance occupera la porte de ses ennemis. C'est en elle que se béniront toutes les nations de la terre, parce que tu as écouté ma voix. Amen. » Mes chers amis, Jésus apprécie ceux qui croient en lui sans hésitation aucune. Eh bien, mes chers amis, je saisis cette occasion de dire que si vous voyez que vous avez un appel de Dieu pour le servir, n'hésitez pas d'honorer cet appel-là. Et je vous dis franchement que le Seigneur vous appréciera. Personnellement, moi, je vis cette expérience dans ma vie et dans mon ministère. Sitôt que j'ai reçu l'appel de Dieu, j'ai répondu favorablement. Et croyez-moi, dans ma vie, comme je vous l'ai dit, je vois vraiment la reconnaissance de Dieu. Dieu me bénit plus que je n'avais pensé, plus que je ne le méritais, mes chers amis. Voyez, Jésus aime ceux qui croient en lui et qui tout de suite mettent en pratique sa parole dans sa vie. À Dieu seul la gloire. Amen. Cantique de Marie. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante,
Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes, il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles, il comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Prions le Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire dans les siècles des siècles. Amen. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Revêt tes prêtres de justice, que tes fidèles crient de joie. Donne la paix, Seigneur, à toute la création. Toi seul peux nous donner de vivre en sûreté. Seigneur, sois le gardien de cette nation et guide-nous dans les voies de la justice et de la vérité. Que ton chemin soit connu sur la terre et ton salut parmi toutes les nations. Que le pauvre ne soit pas oublié pour toujours, que jamais ne périsse l'espoir des malheureux. Crée en nous un cœur pur, ô Dieu. Que ton Saint-Esprit nous soutienne. Amen. Prions le Seigneur pour lui demander la protection divine. Ô Dieu, tu es la vie de tous les vivants, la lumière des croyants, la force de ceux qui peinent et le repos des défunts. Nous te rendons grâce pour les bienfaits de ce jour qui s'achève, et nous implorons ta protection pour la nuit qui vient. Conduis-nous en sûreté jusqu'aux heures du matin. Nous te le demandons par celui qui est mort et ressuscité pour nous, ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Action de grâce générale. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges, et tu nous combles des bienfaits de cette vie. Mais surtout parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ. Et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce, et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde, pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant. Non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi dans la justice et la sainteté tout au long de nos jours. Nous te le demandons par ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prière de Saint Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque deux ou trois se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile.
Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité et dans le monde à venir la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Que le Dieu de l'espérance nous comble de joie et de paix, afin que nous débordions d'espérance par la puissance de l'Esprit-Saint. Amen. Ici s'achève notre culte de soir. Mais avant de nous quitter, je vous invite à encore écouter ce chant. Merci. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci, ô Seigneur, trois fois saint. Merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci, ô Seigneur, trois fois saint. Merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Maintenant, le faible dit, je suis fort. Le pauvre dit, je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. See you.